Salut gamin, c'est GDGaki pour une nouvelle vidéo. Donc, déjà, il y a un gros coup de gueule. Ensuite, qui arrive sur ma chaîne. Ça fait très con le micro posé comme ça, enfin bref, on s'en fout. Donc déjà, le coup de gueule, ce sera à la fin. Ouais, je vais mettre ça à la fin. Alors, pour commencer, franchement. Les gens, arrêtez de faire les jaloux, de, je sais pas, de dire putain, youtubeur, c'est tellement facile, tu te lèves à 14h, les montages, c'est facile comme tout. Oui, quand tu connais, c'est facile, quand tu connais pas, c'est pas facile. Non, mais sincèrement, là, arrêtez les gens, c'est bien pénible. Là, il y a, bah, vous ne me voyez plus. Là, il y a une personne qui commence, qui me faisait chier d'ailleurs, littéralement, en me disant ouais, youtubeur c'est pas un métier, de toute façon c'est le truc le plus facile au monde. Tu te trompes, sérieusement, hein, parce que les autres youtubeurs, et d'ailleurs, ceux qui sont lancés sur YouTube, même s'ils ont arrêté parce que, etc., même ceux qui savent d'ailleurs, mettez un j'aime pour voir. Pour voir ce que ça donne, hein, pour voir tous les gens qui pensent pareil que moi, qui en ont marre, ces gens qui commencent à cracher sur le métier de youtubeur, tous ces gens-là, même et puis ceux qui pensent que c'est pas un métier, mettez j'aime pas, et puis en même temps mettez un commentaire pour vous dire pourquoi pour vous c'est pas un métier. Franchement, on va se faire un gros débat. Non, je m'appelle pas Gaming, GameX 13, j'ai mal dit, mais c'est pas grave. J'espère qu'il me pardonnera s'il voit ça. Mais oui, en effet, aujourd'hui là, je suis en mode débat parce que je commence à avoir ras-le-bol de ces gens qui disent mais c'est pas un métier, mais tu te lèves à 14h. Mais les gens, si on se lève aussi tard, c'est parce qu'on travaille tard. Attendez, nous, youtubeurs, je prends l'exemple de Squeezie par exemple. Vous, quand vous allez à l'école ou quand vous bossez, vous avez quand même quelques vacances. Par exemple, de Noël, par exemple. Est-ce que Squeezie a pris des vacances pour Noël? Ben non, il a fait une vidéo. Ah ben, attendez. Hein, je dis, c'est parce que je vois que lui qui en a fait à Noël. Je sais plus. Je regarderai quand. De toute façon, là, j'ai plus internet pour l'instant. Il y a eu un gros bug. Mais bon, je vais aller chez mon frère pour justement pour la suite de mes vidéos parce qu'il va m'aider. Mais j'en ai marre de bouger ou qu'on me voit pas là. Il va m'aider pour justement ce qu'il faut. Attendez, j'ai mal au bras. Voilà. Il va m'aider pour la suite. De toute façon, je vais vous expliquer tout ça. Mais sincèrement, je pense. Arrêtez. Arrêtez. Pardon. Si pour vous, youtubeur, c'est pas un métier, d'accord. Mais arrêtez de nous faire chier avec ça, je sais pas. Si pour vous c'est pas un métier, ça veut dire que chanteur c'est pas un métier, acteur c'est pas un métier, comédien c'est pas un métier, etc. Tous les métiers de genre, footballeur c'est pas un métier, et là genre tout de suite on dit, mais JD, tu dis que c'est pas un métier, mais ils gagnent de l'argent, et nous les youtubeurs on gagne pas un peu d'argent quand on est assez connu, bah si. Moi j'en gagne pas encore, malheureusement. Hein, je demande des partenariats à différents. Mais il n'y en a aucun qui me répond. Bah si, il y en a qui me répondent, mais qui me disent c'est pas le moment. Regardez, j'ai essayé de faire un partenariat avec Boss Controller, ils m'ont dit on ne prend plus de partenariat pour le moment. Voilà. Je vais essayer avec d'autres, j'en demande. J'ai des projets pas bah, impossibles, mais qui vont être très durs à réaliser. Mais je regarde, il n'y en a aucun qui fait ça. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous dire. Voilà. Pour vous dire, ceux qui connaissent des gens de télé-réalité, qui voudraient voir dans mes vidéos, dites-moi leur nom et balancez-moi leur Twitter. Je vais essayer de les contacter et voir s'ils peuvent passer dans mes vidéos, ceux que ça intéresserait. Et pour les après, en fur et à mesure, je demanderai à des plus grosses stars. Mais pour l'instant, c'est pas réalisable. Il faut que je commence. Petit, tout petit. Vraiment tout petit, petit, petit. Bon, j'arrête. Non, mais sincèrement. Ceux qui gagnent leur vie avec YouTube. Vous allez sortir.
Ouais, bon, ils gagnent leur vie, ils gagnent de l'argent. Bon, est-ce qu'on peut considérer ça comme un métier ou pas? Ben oui. Justement, pourquoi? Parce que normalement, un travail, c'est pour gagner de l'argent. Donc, quand tu gagnes de l'argent, tu bosses, logiquement. Je sais pas, quand tu fais des petits boulots, tu vas tondre la pelouse du voisin, il donne un peu d'argent. Tu dis pas ouais, j'ai été tondre. Dis pas ouais, j'ai fait ça, mais ça m'intéresse pas et tout. Dis non, j'ai bossé, j'ai fait un petit boulot, et ben voilà. Hein, les gens, à quoi ça sert d'être jaloux? Par contre, là, je pense que je vais me faire avoir en beauté avec les 4x4. Je vais un peu avancer au cas où. Reculer, avancer. Bon, on s'en bat les steaks. Reculer. Oh, recule. Non, sincèrement, les gens, arrêtez. Je vais me faire emmerder. Attendez, les gens. Je vais me faire emmerder. Je vais me mettre sur le côté, attendez. Pardon aux oreilles, j'essaie d'abaisser. Ah putain! Ah les oreilles! Et les gens, bah voilà. Voilà, des gens qui s'amusent. On est dimanche aujourd'hui, hein. Je vous ai pas dit, on est dimanche. D'accord? Donc les gens, voilà, hein. Mais tiens, j'y pense. Il y a beaucoup de métiers comme ça, oh, que c'est censé être facile. Mais c'est pas si facile que ça. Les gens, écoutez. Quand on va à des conventions, parce que moi ça m'est arrivé d'aller à une convention comme ça. Bon, même si j'ai pas des heures fixées par une société, je sais pas, par quelconque société, je m'étais quand même fixé des horaires à moi-même et je les respectais. Et d'ailleurs, je m'ai fait des grosses heures, je sais plus c'est quoi. Je sais que c'était à la Paris Games Week. Mais je sais plus les horaires. J'avais été tout seul. Et même à une convention de manga, hein. J'avais été à Japan Expo, hein. Oui, parce que pour ma chaîne, voilà. Mais j'ai pas fait de vidéo, j'avais oublié. J'en ferai quand je pourrai, l'année prochaine par exemple. Mais voilà, les gens, maintenant, arrêtez de dire que YouTube, c'est pas un métier. Ça sert à rien de. Juste parce que vous, soit vous êtes jaloux, parce que, je sais pas, parce que vous êtes jaloux que nous, on arrive à. Parce que nous, on vit de notre passion. Soit vous êtes jaloux parce que vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. Ou alors, simplement, vous êtes con. Simplement, ça reste à dire. Allez, je redis. Ceux qui pensent la même chose que moi, mettez un like. Déjà, ça va me faire très plaisir. Mais mettez un like. Et ceux qui pensent pas la même chose que moi, mettez un dislike. Bah. Ouais, mettez un j'aime pas, carrément. Hein. Mettez un j'aime pas et mettez dans les commentaires pourquoi. Pourquoi, pour vous, c'est pas un métier? J'ai envie de savoir, mais ça sert à rien de cracher, de dire, ouais, JD, ta gueule, de toute façon, tu connais rien à la vie. Vas-y, moi j'ai 12 ans, mais je connais mieux la vie que toi, wesh. Non, mais moi mec, si t'as 12 ans, viens pas parler, hein. L'année dernière, j'étais peut-être mineur, mais cette année, je suis majeur, donc ferme ta gueule un peu. Non, sincèrement, voilà. Allez, maintenant, on passe à autre chose. Les gens, vous êtes d'accord que ma chaîne a pas d'intro? Bon, il y en a qui n'ont pas d'intro, hein. Squeezie, il n'y a pas d'intro, par exemple. Voilà. Hein, c'est le seul que je connais qui a pas d'intro. Hein, à part. Salut tout le monde, voilà. Squeezie, si tu regardes. Non, sincèrement, les gens, ça, voilà. Il faut que j'arrête de me moquer de ce youtubeur parce que je l'aime bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, je vais faire mon intro tout à l'heure. Là, je vais chez mon frère pour cette intro, justement. Donc, il n'y a aucun plagiat. Hein. C'est que j'ai pas envie de m'avoir des droits d'auteur. Alors, du coup, je vais me créer ma propre musique. Hein, vous allez dire. Oui, mais t'as copié sur Call Jordan 23, lui il fait sa propre musique pour son jeu de NBA, il a fait aussi sa propre musique, bah, il a fait carrément sa propre intro pour les deux, de toute façon. Mais moi, ça a rien à voir. Moi, la musique que j'ai essayé de faire, c'est un résumé de ma chaîne, carrément. Donc ma chaîne, c'est Gaming et Otaku. Alors bah du coup, voilà, Gaming et Otaku, Hide et Yokin, tout simplement. Les gens.
Ça devrait être prêt dans un mois. Peut-être un peu plus. Parce qu'il faut que je m'achète ma caméra pour que je puisse faire l'image. J'ai pas l'image encore. J'ai les paroles. Voilà, pardon. J'en ai marre de pas. Ça m'énerve. J'aime pas. Je vais vous prouver, j'ai mis, pour vous dire les gens, j'ai mis 3 mois à trouver des paroles, hein, et c'est de la merde. Non, 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 j'ai demandé à plusieurs personnes, ils m'ont dit que c'était, ça allait pour un début. Hein, je suis, pour les paroles, je suis pas vraiment imaginatif. Imagine, ouh là là. Je suis pas vraiment créatif, mais bon, voilà, regardez, voilà, vous avez, voilà, toutes les paroles ici. Voilà, donc j'ai fait rapidement. Et voilà. Je vais y aller. Après, Sina, ouais, si vous pouvez essayer de contacter des youtubeurs, n'importe lesquels, que vous voulez que je les défie à un certain truc, même n'importe lequel qui pourrait accepter un défi sur Black Ops 3 par exemple, parce que pour l'instant j'ai que Black Ops 3 sur la PS4. Mais s'ils peuvent accepter un défi là-dessus, ou même n'importe quel youtubeur que vous voudrez voir, ou qu'on s'éclate à emmerder les gens dehors, ou même encore, parce que j'ai un autre projet par rapport à Call of Duty Black Ops 3, cette année, c'est le zombie qui est mis en avant. Vous êtes d'accord avec moi? Le zombie est mis en avant. Et ben, j'ai envie de dire, pourquoi pas demander à des youtubeurs de venir dans cette vidéo-là? Vous leur dites par exemple n'importe lequel, je sais pas, Damien, Wartek. Vous faites une voiture. Vous faites attendez les gens. Wartek, est-ce que tu serais d'accord de faire partie de la vidéo zombie? Est-ce que vous serez d'accord de faire partie de la vidéo zombie de. Que tu serais d'accord de faire partie de la vidéo zombie, je vais m'en réussir, de JD Eagle King. Et vous lui dites contacte-le, il va t'expliquer en détail, si vous voulez, parce que ça va être bien. On va quoi, je vais essayer de m'acheter un faux gun, etc. Avec la ceinture esprit. Et puis je vais voir avec des amis pour qu'ils fassent les zombies. Et comme ça, dehors, on va s'éclater comme ça en zombie. Je vais vraiment tout faire, je vais prendre une canette de bière ou des canettes. J'ai trouvé des choses pour faire des canettes. Et bon, comme ça, on va s'éclater. Et justement, si vous, là, vous habitez vers chez moi, et vous voulez en faire partie pour les zombies, ça serait volontiers. C'est un truc que j'ai envie de faire. Je ferai pour différents jeux. Je sais pas encore lesquels. Pour l'instant, j'ai que Black Ops 3 en tête. Et parce que pour l'instant, c'est que celui-là que j'essaye de faire. Et s'il y en a d'autres, on va essayer, on va le faire. Je vais le faire de toute façon. Donc si vous êtes d'accord, dites-le en commentaire. Je vous mettrai le nom de la ville dans la description. Je suis dans un lieu dit pour l'instant. Et je mettrai. Non, je vais pas mettre le nom de la ville dans la description parce que si je déménage en tout temps, parce que je vais faire mes études. Il faut que je vais refaire mes études, un bac pro pour l'audiovisuel. Mais je vais aller faire des études, je sais pas où encore, dans quelle ville, il faut que j'en réfléchisse. Mais voilà, là je suis retourné chez mes parents pour l'instant. Oui, je suis plus fiancé, je suis séparé. Je suis célibataire maintenant, du coup voilà, j'ai un peu plus de temps pour les vidéos que j'en fais plus souvent maintenant. Parce que j'en ai plus du tout. J'avais fait une où j'ai mis la petite vidéo, je suis Call of Duty. C'était bien d'ailleurs, je me suis éclaté à le faire. Donc, pour l'argent que j'ai dépensé pour les sabres. Bon, enfin bref. D'ailleurs, je vais les utiliser les sabres d'ailleurs dans mes vidéos. Vous verrez tout ça. Bon, enfin bref. Je crois vous avoir tout dit. Le global, le tout. Est-ce que tout simplement vous serez intéressé? Je sais pas. Vous serez intéressé par ces nouvelles idées. Donc là, voilà, je vais chez mon frère. Je vais rester quoi, 3 jours chez lui. Ouais, 3 jours, je pense, le temps de. Parce qu'il va m'aider avec l'instrumental, avec l'ordinateur, parce que moi, je sais pas jouer d'instrument, j'essaie tout à l'heure, ma petite soeur, elle a une orgue. Un orgue, un petit truc électrique, orgue. C'était la cata. La cata, je sais pas jouer d'instrument, à part d'un violon, c'est tout. J'ai essayé de jouer de violon, j'ai jamais appris, mais j'arrive à jouer, prouver la logique.
Mais voilà. Essayons. Voilà. Et bah, tout simplement, j'ai envie de vous dire, comme dans la parole de ma musique, allez, je vous spoil un peu. Appelez-moi JDLK. Allez. À bientôt tout le monde et passez de. Ouais, c'est déjà passé. Donc, on va pas. Voilà. Passez de chouette réveillon. De fin d'année. Une nouvelle année. Une nouvelle année. Je sais pas si je fais une vidéo avant ou après pour vous. J'en sais rien. Peut-être suis avec mon pote. Peut-être qu'on va. Ou faire un truc spécial. J'en sais rien. Peut-être qu'on va aller en ville faire les cons. Que je fasse le con parce qu'il faudrait qu'il me filme. Mais que je fasse le con en ville. Et ben, c'est ce que je vais faire. Par contre, pas en nouvelle année. Il n'y aura personne dehors. Non, sincèrement, ouais, je vais faire le con. Je vais voir avec mon pote là. Je vais essayer de sortir ça. Peut-être avant, peut-être le jour même, peut-être après. J'en sais rien. Voilà. Donc, si je le fais, ben, je vous dis, voilà, une chouette nouvelle année, hein, pleine santé, plein de nouvelles choses. Hein. J'espère que vous avez eu des bons trucs à Noël. Moi, j'ai eu qu'un parfum. Je suis que de la merde. Voilà. Non, j'ai eu qu'un parfum. En même temps, en se foutant comme ça. Moi, j'ai pas besoin de grand-chose, je voulais juste une caméra là pour mes vidéos. Mais je me l'achèterai moi-même, de toute façon, normalement l'année prochaine, qu'est-ce que je pense. Dans une semaine, je vais pouvoir me l'acheter normalement. Voilà, j'aurai eu des sous que je dois avoir. Putain, la coupe de merde, j'en ai marre! Non, ça va encore, ça. Bon, enfin bref. Allez, c'était JD Gulking. Allez. À la prochaine tout le monde.